Plexi. C'est parti pour la course principale. Independence très sollicité à l'intérieur avec Cop of Force, Wild Horizon également bien parti, Sitsikamadens. Ensuite, on retrouve In a Million, Overshadow, Perplexing et finalement Dawn Raid. Cop of Force va diriger le peloton. Independence dans sa foulée, Sitsikamadens et Wild Horizon tout juste derrière, In a Million également suit de près, Overshadow, Perplexing et finalement on retrouve à l'arrière-garde Dawn Raid. C'est Independence qui prend le relais en tête de cette épreuve devant Cop of Force, Wild Horizon toujours forcé en dehors. Il y a Sitsikamadens, In a Million, Overshadow, Perplexing dans la foulée. Overshadow et finalement Dawn Raid sans problème. Independence maintenant prend ses distances de Cop of Force en deuxième position. Il y a Wild Horizon toujours en dehors. In a Million, Sitsikamadens. Il y a Perplexing qui est passé devant Overshadow. Et puis Dawn Raid à l'avantage toujours pour Independence. Wild Horizon n'est pas parvenu à se placer toujours à l'extérieur de Cop of Force. Sitsikamadens lui-même garde In a Million à son extérieur. Perplexing attend patiemment son heure. À son intérieur, il y a Overshadow. Et puis à suivre, Dawn Raid qui est toujours en queue de peloton. Regardez, Independence maintenant va partir. Elle creuse l'écart maintenant sur le peloton. Derrière Wild Horizon, Cop of Force, Perplexing, Olivier Placé réagit derrière pour foncer sur Independence. À l'entame du dernier virage, Sitsikamadens également là. Derrière, est-ce qu'Overshadow va pouvoir revenir à Perplexing et passer à l'extérieur de Independence? Perplexing et Olivier Placé vont se diriger. Attention vers la victoire. Il y a Sitsikamadens qui arrive à l'intérieur. Perplexing, la dixième victoire ici au Champ de Mars avec Dawn Raid ou Sitsikamadens pour la deuxième place. Puis il y a Overshadow. Et